Bonjour, bonjour tout le monde. Tantôt j'ai fait le même enregistrement en espagnol. Je ne sais pas si c'est assez clair encore pour vous montrer. On va faire juste une petite vidéo. Ce matin, quand j'ai parti au travail, j'étais voir les poules. J'ai ouvert le poulailler pour que les poules puissent aller à l'enclos. Puis toutes les boutons de fleurs. Et c'était comme ça, des lilium. Mais aujourd'hui, en rentrant du travail, regardez. On voit ici, c'est la première fleur. Il commence à s'ouvrir tranquillement, pas vite. Elle sent très bon. Le parfum, c'est sucré, ça sent fort vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez déjà l'hélium, comment ça sent. Le parfum, c'est exquis. Il y a plein de moustiques. Puis je vais essayer de faire le même parcours. Margarita vient d'arroser toutes les plantes. C'est lequel? On voit les gouttes d'eau. Je crois, quand j'ai parlé en espagnol dans la vidéo, tantôt, que j'ai fait à peu près les mêmes séquences, je suis venu ici pour vous montrer comment ça va ici les haricots. On a ces deux-là, lui, puis lui. 1, 2, 3, 4. Le quatrième, cinquième, le sixième. Le sixième et le quatrième, ça pousse. D'après moi, c'est une de ces deux-là qui va arriver en première, là-haut. J'espère que il y a assez de lumière pour que vous puissiez apprécier les fleurs. Et c'était surtout pour vous montrer la fleur qui vient de s'ouvrir de l'hélium. Il y a une petite fraise ici. Une pensée ici. Ça en français vous seriez un bonus parce que je n'ai pas enregistré ça en espagnol. Une pétunia. Ça, je ne l'ai pas enregistré non plus quand j'ai fait la vidéo en espagnol. Une autre pensée par ici. Et ici, un œillet d'Inde. Magnifique. Ok, merci de voir regarder cette vidéo là. Si vous aimez bien tout ça, vous pouvez la partager. Et nous laisser un commentaire s'il vous plaît, ça sera fort apprécié. Et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.